Salut à tous, c'est Effect8, on se retrouve sur les Sims 4 en compagnie des deux princesses et de Nathalie. Tout se passe plutôt bien pour nous. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'essayer de faire plein de petites choses drôles. Surtout qu'on est effectivement reine des bêtises, on en est où? Utiliser un ordinateur pour commettre un acte malicieux 3 fois d'affilée. Oh, ça me plaît les amis, ça me plaît, on va aller foutre le bordel. Quoi de mieux? Alors, un acte malicieux, un acte absolument terrible. Ce n'est absolument pas là, c'est sûrement... D'ailleurs, c'est où? Bonne question, enfin, discuter, je pense. Ah voilà, une chaîne, le truc horrible. Troller les forums, écoute, on va commencer par troller les forums tranquillement. Ça reste quand même la meilleure des bases. Suivi, discussion, écrire une lettre, envoyer une chaîne de lettres. Ah, par contre, qui on n'aime pas? Ah bah tiens, toi, on te déteste, c'est parfait. Et après, on fera la même chose pour l'autre. Comme ça, on les emmerdera bien profondément. Enfin, voilà, Céline également. Dépêche-toi, achète un instrument. Bon, écoute, je t'en prie, fais péter les instruments. Il n'y a pas de souci. Un truc pas trop cher de préférence. Le moins cher, c'est quoi en fait? 425, vas-y. Le petit instrument, est-ce qu'on aurait des instruments? Ah, on a tous les instruments là, je suis bête de toute façon. Enfin, on va directement leur vendre. Tu le poses, t'actives les petits points. Yeah! Merci bien, et on vend enfin. En mode rien à foutre, rien à foutre! Voilà, parfait, on a perdu 100 simflouz, mais c'est pas trop grave. On a gagné 50 points d'aspiration, et ça c'est vraiment cool. Wow, encore un! Faire des recherches sur un ordinateur bibliothèque, ça tu oublies. Faire une farce à quelqu'un, vas-y, garde ça, ça on va le faire. Et suggérer des techniques de visualisation à Jasmine. Non, ça on s'en fout par contre, ce n'est pas important. Enfin, utiliser un ordinateur pour commettre des actes malicieux, est-ce que c'est pris en compte? Alors c'est bon, le premier fait. Ah, j'adore à chaque fois. Vous vous rendez compte qu'en m'envoyant cette chaîne de lettres, vous avez probablement exposé mon adresse email d'une multitude de listes de diffusion de publicité. N'est-ce pas? Je croule déjà sous les emails, c'est bien la dernière chose dont j'ai besoin. Donc effectivement, ça permet de récupérer des emails pour après les spammer comme des gros porcs. C'était donc pas du tout un bon plan. C'est vraiment la mode des années 90. 95 à 2000, c'était vraiment les grosses périodes, il y avait tellement de lettres comme ça. Complètement stupide. Allez, une autre, parfait. Du coup, on a réussi à faire ce qu'il nous demandait. Reine de la bêtise, niveau 2. Oh, ça me plaît, ça. Faire 10 farces, ça va être facile. Eh ben, c'est parfait. Traître récompense persécutrice. Les persécuteurs peuvent saboter presque tout, qu'il s'agisse d'un objet ou d'un effort d'un Sims. Oh, faire 10 farces. À qui on pourrait faire des farces? Là, elle dort. En fait, tout le monde dort, donc on va peut-être se calmer un petit peu, on fera ça demain. Enfin, énergie. Jardin, comment est-ce que ça va? Enfin, écoutez, ça va pas trop mal. Par contre, faudrait désherber tout ça, puis aussi récolter. Ce que tu vas faire, c'est entretenir le jardin, enfin, et puis après, t'iras te coucher. Alors parfait, Nathalie s'est réveillée. Comment est-ce qu'elle se sent? Elle se sent bien en plus de ça. Tu peux éventuellement prendre une petite douche. Vas-y, la petite douche qui passe bien du matin. Et comme ça, t'enchaîneras directement pour t'entraîner au niveau de tes maths. Alors vas-y, jouer à attaque arithmétique. Ce petit jeu toujours aussi dur à prononcer. Mais c'est fait. Jouer à l'instrument, non. Et jouer aux échecs. Ça aurait pu être une bonne chose. Non, on va pas le garder de côté. Allez, d'ailleurs, on en est au niveau des points, puis au niveau de l'âge surtout. On va contrôler un peu tout ça. Ils sont pas faire de bêtises au niveau de l'âge. Ça, pour moi, il n'y a pas trop de soucis. Au niveau des points d'aspiration, 3700, 8000 points. Pouh, c'est la fête. C'est la fête, les amis. 8000 points d'aspiration, t'es pas sérieux? C'est trop bon, ça. C'est juste monstrueux. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est acheter quelques petits cadeaux d'amour. Qu'est-ce qui aurait pu être plutôt efficace? Enfin, qu'est-ce qu'on n'a pas sur... Ah, super main verte, on aurait dû le prendre tellement avant. Oh, j'ai trop un boulet, j'aurais dû tellement le prendre. Les Sims ayant des traits de caractère super main verte verront que les plantes dont ils s'occupent sont dotées d'une extraordinaire vitalité. Que faire, que faire? Petite mangeuse, jamais fatiguée, feignant professionnel, insouciant. Du coup, je sais pas trop ce qui est le plus intéressant. Antiseptique, on l'a déjà fait. Ce qui pourrait être bien, vessilation, on l'a déjà. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Visionnaire, je vais y arriver. Ça peut être bien, mais bon, en l'occurrence, non. Captivante. Continue cette carrière, il n'y a pas grand chose. Ah bah il y a service gratuit, ça c'est important. Tous les demandes de service unique sont gratuites, bah écoute. Par contre, est-ce que du coup la femme de ménage qui vient régulièrement, c'est compris ou pas? Autrement, ça n'a pas un grand intérêt. Ah mais c'est pour ça qu'elle vient plus la femme de ménage, il faut que je la recommande vu que j'ai relancé ces nouvelles parties. Forcément, il faut que je demande la femme de ménage, il me semble. J'ai pas dû la demander. Donc ça, on va le prendre. 1500 points, allez vas-y, fais péter. Et paye moins d'impôts, est-ce qu'on l'a? C'est une bonne question. Enfin, est-ce qu'on l'a pris ou pas? Économe, on l'a, donc ça, il n'y a pas de souci. Esprit d'initiative, c'est quand même bien pratique pour pouvoir commencer ses carrières un peu plus haut. Enfin, est-ce qu'on ne prendrait pas? C'est vrai qu'elle fait pas mal de carrières différentes. Là, pour le coup, c'est pas urgent tout de suite. Allez, vas-y, fais péter. On est des fous, on n'a aucune limite avec nos points. Mentor, permet de mieux apprendre aux autres. Lorsque les enseignants atteignent le niveau 10 d'une compétence, l'interaction enseignée devient disponible. Ah, je pensais que c'était tous ceux qui avaient le niveau 10. Non, il faut avoir le truc mentor. Vas-y, donc ça, on va le prendre. C'est quand même bien utile. C'est bien utile, le mode mentor. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant? Il nous reste 3500 points.
Antiseptique, on l'a. Fertile, non, on va éviter. A des relations. Oh, les Sims qui ont des relations commencent leur carrière avec plusieurs niveaux d'avance. Ah, mais c'est ça que je voulais. J'ai fait quoi tout à l'heure? Esprit d'initiative. Les Sims qui ont l'esprit d'initiative ont de plus de chances d'être promus. Ah, mais ah, bah, c'est parfait, on a bien fait de le prendre. Plus de chances d'être promus, c'est parfait ça. J'ai pas fait gaffe. C'est vrai que vu que j'avais avec la famille 8, j'ai déjà tout pris ça il y a très très longtemps. Du coup, il nous reste juste assez. C'est que là, pour le coup, visionnaire. Non, ça, on s'en fout, on a dit. Mais c'est que pour le coup, feignant. Non, c'est quoi qu'on avait dit déjà? Il me semble que c'était par ici. Ah, y a trop monde, on a également ça, oiseau de nuit, Sims du matin. On n'a pas pris tous ces trucs, c'est quand même bien pratique pour qu'ils se sentent mieux. C'est comme ça, elle a un bonus le matin et un bonus le soir. Ce qui est quand même plutôt pratique. Toujours bienvenue, on s'en fout. Descends un petit peu, je vais reprendre l'autre. Et oiseau de nuit, donc on l'a. Et Sims du matin, vas-y. Fais péter. Négociatrice, ça peut être également pratique. Combien ça me coûterait fin. Négociatrice, 1500. Écoutez, j'ai juste assez. Allez, soyons fous. Obtenir, on prend ça. Comme ça, on a claqué un maximum de points d'inspiration. Et là, on est plutôt pas mal, franchement. Du coup, on va faire la même chose pour elle. Alors, elle, ce qu'il lui faudrait. Qu'est-ce qu'on a pris qui était vachement important fin. Les promotions, pour le coup, c'est pas utile pour le moment. Fin. En même temps, à des relations, si on veut lui faire faire une autre carrière, parce que c'est vrai que là, elle reste bloquée toujours dans sa carrière. Bon, ça gagne beaucoup d'argent, c'est pour ça que je la laisse là. Mais c'est vrai que dans l'option, on pourrait quand même la faire bientôt changer de carrière. Est-ce qu'on le prend? Antiseptique? Bon, c'est pas... Est-ce que ça vaut ces 3000 points? Allez, soyons fous, à partir sur antiseptique, c'est toujours ça de prix. Je prends, oui. Par contre, on est un petit peu pauvre, du coup. Est-ce qu'avec 700 points, on peut encore faire quelque chose d'intéressant ou pas? Non, il faut les 1000 points. Donc on va laisser ça tranquille. Il faut vraiment qu'on travaille un peu plus sur les points. C'est vrai que c'est quand même bien pratique. Il faut vraiment faire évoluer ça. C'est quand même un gros gros plus. Alors qu'est-ce que nous fait? Donc on est samedi 9h du mat. À ton niveau 10 de jardinage, ça, ça y est presque. Ce que tu peux faire, c'est réparer ça. Et après, tu iras jardiner encore un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses à faire encore ici? Normalement, oui. Vas-y, entretiens un peu le jardin. Parfait, je te remercie. Par contre, du coup, Belle, arrête ça. Stop, stop, stop. Arrête tout et va dormir. Voilà, bravo, je te félicite. Tu as bien géré, laisse ta copine faire le reste, ça sera parfait. Bah, ça débrouille pas trop mal. Bah, niveau bricolage, on est né ouf. Elle doit être relativement pourrie, à mon avis. Elle doit pas être exceptionnelle, voyons voir ça. Fin. Alors, bricolage, niveau... Fin. Ah, niveau 5, bah ça va, c'est pas si mal. Franchement, niveau 5, on a connu pire. Ce que tu vas pouvoir faire, bah, c'est le jardinage, on l'a dit, tout simplement. Fin. Toi, tu vas dormir, bah écoutez, on a plus qu'à attendre tranquillement que tout se passe. Il faut quand même faire un peu à manger après, parce qu'on est un petit peu limite niveau bouffe. Poulet rôti, tiens, mets l'eau au frigo, parfait. Ce qui me semble qu'on n'a rien du tout. On a un petit peu de nourriture, mais franchement pas grand chose. Bref, on va faire des plats, ça passera bien. Elle atteint le niveau 5 en faculté mentale, et là elle est déjà niveau 4 et elle réalise presque plein. On va accélérer un petit peu, je pense qu'elle va y arriver facilement. Enfin. Ah, ça y est, presque, vas-y. Fais péter le niveau supplémentaire. Yeah, c'est terminé. Nathalie a terminé scientifique junior de l'aspiration petit génie. Et niveau 5 en faculté mentale, c'est parfait ça. Elle peut désormais discuter de fractions avec d'autres Sims. Bah, très bien. Alors ce qu'il faut faire ensuite... Ah oui, atteindre le niveau 10. C'est autre chose ça. Et fabriquer 3 potions d'émotion. Écoute, limite, tu pourrais faire des potions. Est-ce qu'on n'avait pas le petit établi à ça, pour faire ça? Ah non, on n'en a pas. On n'en a pas, effectivement. On a la table pour dessiner. Mais c'est tout, donc on pourrait presque en acheter un. On va le mettre ici. Il faut vraiment qu'on trouve exactement ce qu'on peut faire là. C'est des idées, dites-le moi, ce qu'on pourrait faire un peu dans cette zone. J'ai pas vraiment d'idée pour le moment. Du coup, on va faire un peu de l'arrache. En mode rien à foutre! Bon, c'est extrêmement moche cette table, mais c'est pas grave, tu nous la mets là. Ça ira très bien, comme ça elle pourra faire quelques petites potions délicieuses. Alors, ce qu'elle doit faire, c'est 3 potions d'émotion. Bah, c'est facile. Potions de santé. Ah non, je les ai pas encore ou quoi? Ah, elle a pas un niveau assez élevé, c'est juste. Donc, on fera ça plus tard. On va laisser sur l'ordinateur pour le moment. Y'a pas de soucis, elle se sent bien, écoute, bah toute la journée tu vas faire que ça tout le week-end, tu vas bosser, bosser, on va t'exploiter. Guérir la maladie avec un médicament? T'as pas l'air malade, qu'est-ce qui t'arrive? T'as aucun symptôme. Est-ce que tu veux vraiment te prendre un... Bon, bah apparemment elle est malade, écoute, on va donner un petit médicament. Pour la soigner, est-ce qu'on la sent en stock, exactement? Placer dans le monde? Non, pas du tout, je fais n'importe quoi. Tu vas la consommer, prends le médicament. Ça aurait bien passé comme ça. Tu devrais aller beaucoup mieux après ça. Enfin, dès qu'elle a fini d'entretenir le jardin, enfin juste cette partie-là. C'est bon? Allez, stop. Prends ton médicament, ça te fera le plus grand bien, parce que t'as pas l'air très très bien, ma pauvre. Voilà, ça c'est fait. Et des points bonus en plus de ça, 50 points, yes! Ce que tu vas nous faire, c'est... Non, qu'est-ce que tu veux? Récolter les produits des plantes? Bah avec plaisir, écoute. Vite, récolter des produits. Yes, 25 points de plus. Ça va vite quand ça... on fait attention à ça. Allez, courir, non, on va éviter. Planter quelque chose, non, ça par contre, on va pas trop, on va pas le faire. Ce que tu vas faire, c'est entretenir le jardin, ce qui a encore plein de problèmes partout. Occupe-toi donc de tout ça. Fin.
Bon, là, elle s'est dormie pratiquement, elle a presque terminé sa nuit. Elle meurt de faim, donc mange vite un petit truc, et comme ça tu pourras faire tes petits sorts. Enfin, tes petits trucs de méchanceté, de reine de la bêtise. Faire 10 farces, franchement, c'est vite fait ça. Ça me paraît quand même relativement simple. Bah, commencer à faire ses farces, déjà une, petit à petit ça a avancé. Soit on devait le faire pour le travail, donc ça tombe bien. Ça nous arrange carrément, j'adore. C'est tellement du grand n'importe quoi. C'est juste exceptionnel, les amis. Elle perd pas trop de temps quand même, t'as rien à t'occuper. Comment est-ce qu'elle se sent? Embarrassée, pourquoi? Rencontre embarrassante, la pauvre, n'importe quoi. Du coup, petit repas en famille avec tout ce qu'il faut. Ouh, amélioration de la compétence, malice niveau 8. Ah oui, quand même. Belle peut désormais utiliser un ordinateur pour envoyer des spams frauduleux et mettre des fruits dans l'orifice. Quoi? Et mettre des fruits dans l'orifice d'échappement d'une fusée? Oh, le truc horrible. C'est trop bon. C'est juste énorme. Du coup, on va tester ça. Enfin, comment tu te sens? Attends, pas faire de bêtises non plus. Écoute, t'as encore faim? Mange un peu, s'il te plaît. Ça serait gentil. Bah, du coup, je pense qu'elle va partir très bien. On n'aura pas le temps de tester ça. On testera ça à son retour, parce que ça a l'air bien stylé, m'empêche. Par rapport à son travail, c'est bon, interaction malicieuse terminée. Bah, c'est génial. Il faut qu'elle soit d'humeur joueuse, par contre. Faudra venir contempler ça. Oula, ça m'a fait un peu peur, les flammes, dans tous les sens. Je sais pas trop pourquoi. Alors, on fait attention, 19h10. Faudrait qu'elle vienne faire ça pour être joueuse avant de partir au travail. Allez, encore 20 minutes avant de partir. Parfait. Faut que tu sois joueuse. Est-ce que ça fonctionne? Yeah, ça fonctionne bien. Contemple ça également. Et dans un cadavre, tu peux partir. Tu te sens comment? Bah écoutez, t'as tout qui est très bien. Est-ce que tu prépares une promotion? Interaction malicieuse, c'est fait. Écoutez, là, la promotion, elle est bien partie en tout cas. Souhaite de travailler fort, il y a de fortes chances que ça fonctionne. Allez, vas-y, une minute. Et c'est parti. Voilà, parfait. Jette tout ça et tu pars, très cher. Parfait, elle est partie. On va lui dire de travailler le plus dur possible. Travailler dur! Lécher les bottes du patron, ça aurait pu être intéressant, mais on va éviter quand même. Alors, ce qu'il faudrait faire, faire des recherches. Ah oui, faire gaffe, pas qu'elle se fasse virer, elle, c'est juste. Faire des recherches sur les actions. Écoute, va vite faire ça. Par sécurité, pas faire de bêtises. Bah écoutez, tout se passe plutôt bien. Continue de faire ces petites potions. Là, on est où du reste? Voyons vers ça. Normalement, on devrait être bien avancé. Créativité, niveau 10, ça c'est normal. Faculté mentale, niveau 6, presse, niveau 7. Bah ça avance bien. Demain, il y a moyen qu'elle avance encore plus. C'est parfait ça. Joue aux échecs, écoute. Si ça te dit, y a pas de problème. Jouer un petit peu. Allez, presque, yes! 25 points qui rentrent, et en plus, elle est arrivée au niveau 7 en principe. Par contre, elle est triste, la pauvre. Seule, effectivement, ça fait un moment qu'elle est toute seule. Yes! Niveau 7 de la compétence faculté mentale. Nathalie peut créer des potions d'émotion sur la table d'activité scientifique et obtenir des états d'esprit plus puissants grâce à la table d'activité scientifique et à la cage à poules vaisseau spatial. Bah, c'est parfait ça! Créer une potion, enfin. Une potion d'émotion, il faut en faire 3. Tu en feras 3, puis après tu iras te coucher parce que la pauvre, t'es complètement KO. Enfin, même pas, elle est pas spécialement KO, mais c'est qu'elle est pas bien à cause d'un niveau social super bas, qu'elle n'a parlé à personne depuis super longtemps. Alors, du coup, nos 3 potions, yes, c'est bon, c'est fait, parfait. Fabriquer 3 potions d'émotion, c'est bon, du coup, elle a plus qu'à atteindre le niveau 10 en faculté mentale, bah ça avance petit à petit, c'est bien ça. Par contre, elle est terriblement morose, elle est super triste, la pauvre. Besoin social préoccupant. On va essayer de faire ce qu'on peut. Bah, plutôt que d'être couché, en fait, va parler à ta mère, tout simplement. Ça sera plus simple. Va donc lui parler un petit peu. Pourtant, mieux, c'est faire monter son niveau social, c'est plutôt bien. Bon, par contre, elle est fatiguée maintenant. Si elle pouvait compter. Qu'est-ce que tu nous fais? Pourquoi tu pars à la maison comme ça? De ce coup, elle part, tu sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui t'arrive? On va la suivre, voir ce qui lui arrive. Elle fait le tour. D'accord, bon, je pense qu'elle voulait venir lui parler depuis là. Du grand n'importe quoi. Allez, vas-y, parle-lui. Allez, c'est bon, niveau social, ça va beaucoup mieux. Tu vas être couché. C'est tout bon. Et quant à ta mère, comment ça se passe? Bah, elle est pas très bien non plus. Tu peux limiter à prendre un petit bain, enfin une petite douche, ce sera plus rapide. Vas-y. La petite douche qui passe bien, et après, au dodo. Alors, Belle va rentrer du travail d'ici 3 quarts d'heure, parce qu'elle va avoir sa fameuse promotion. Enfin, on l'espère, on croise les doigts. Parce que franchement, elle a tout pour là. Elle a une super performance au travail, elle a fait tout ce qu'on lui demandait. Il y a de fortes chances que ça passe sur 2 minutes. On croise les doigts. Est-ce que c'est bon? Yes! Promotion! Bah, elle a été promue coupable de crimes aggravés. Ah, ça déconne pas, il y a du lourd là. Il y a du très très lourd. Elle a reçu une promotion, enfin un bonus de 670 Simflouz, une sculpture battle de base. Quoi? Ah non, bat de baseball vintage. Oh! Maintenant elle commence à travailler à 19h et elle gagne un petit peu plus. Quand ça commence à être intéressant tout ça. Voyons voir ce qu'elle a reçu. Ça a l'air assez violent quand même. Oh, la batte de baseball! Énorme! Et le PC, non, ça c'est ce qu'on avait nous déjà, ou bien? Non, ça c'est le PC qu'on avait nous dans l'inventaire, ou bien? Oui, oui, non, c'est bien ça, celui qu'on a acheté précédemment. Dans l'épisode précédent, la sculpture Battle.
enfin batte de baseball, moi j'appelle ça battle, c'est pas pourquoi. Si vous pouvez poser ça là, bah parfait. Le truc, c'est énorme. Faut qu'on fasse une salle avec tout ça. La salle du criminel, elle est en sous-sol. Ça peut être juste énormissime. Du coup, elle travaille plus pendant 3 jours. Elle est en week-end tranquille. Là, on est ouf. Faire des farces, elle en est à 5 sur 10. Bah, ça avance bien. Écoutez, petit à petit, ça fonctionne. Limite, tu pourrais être couché pour essayer de te réveiller en même temps que tout le monde. Ça peut être une bonne chose. Tu peux vite. Écoute. Ah non, avant tout, faut appeler la femme de ménage. On va faire ça. Alors, la femme de ménage, s'il vous plaît. Achetez un service. Ça, c'est vrai que c'est important. Oh, masseuse, c'est vrai que du coup, ça coûte rien, c'est gratuit. Par contre, la femme de ménage est toujours payante. C'est juste le masseur qui est gratuit avec ce que j'ai obtenu comme. Ce que j'ai pris comme aspiration. Enfin, que j'ai acheté avec mes points d'inspiration plutôt. Domestique ponctuel ou domestique régulière. Allez, régulière. Je prends. Ça coûte quand même de l'argent, mais c'est pas trop grave. Surtout que là, c'est juste dégueulasse. C'est plus possible. La salle de bain est absolument ignoble. C'est vraiment terrible. Donc, ce que tu peux faire, c'est prendre une petite douche. Et puis après, tu iras te coucher. Alors, la petite s'est réveillée, parfait. Elle a très faim. Il faut vraiment qu'on fasse à manger. À chaque fois, je dis ça, mais j'oublie de le faire. Parce que là, du coup, on est vraiment totalement sans rien. Tes devoirs, tu les as fait ou pas? Ouais, tes devoirs, c'est bon. Elle a fait les potions. Bah, écoutez, bah, tout va plutôt bien. Il faut juste monter encore la faculté mentale. Et ce que je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une de ces mères qui a déjà ça à élever? Il me semble que oui. Bah, du reste, c'est tout simplement Jasmine. Mais est-ce qu'elle peut lui enseigner? Voyons voir ça. Enfin, guitare. Est-ce qu'elle a au maximum la logique? Logique 10, parfait, elle va pouvoir lui apprendre. Enfin, en l'occurrence, c'est Belle et pas Jasmine. Parce que Jasmine, je sais pas si elle peut lui apprendre. Parce qu'apparemment, c'est le trait d'aspiration qu'il faut acheter. Donc, c'est le cas pour Belle, mais pas pour Jasmine en principe. À peine entrant, Lauren Johnson appelle pour discuter et répondre. Ça pourrait être bien, le problème c'est que. Ouais, vas-y, tant pis. Réponds donc. Arrête les échecs, tu feras ça après. Une chose après l'autre. Et réponds. Comme ça, tu fais un peu pote avec lui. C'est quand même préférable petit à petit. Et après, tu iras jouer aux échecs. Vite, vite, vite. Comment elle se sent? Ça va plutôt bien. Écoutez, tout se passe bien pour tout, dans le meilleur des mondes. Il faut vraiment que tu fasses à manger. Donc, fais à manger tout de suite. Cuisiner. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, ça reste le poulet à la base. La base de la vie, le poulet. Et puis, éventuellement, pour le matin, tu peux nous faire des petits. Bah, vas-y, fais péter le thon. Un peu de thon également. Je profite pour préparer quand même quelques petits plats. Parce que c'est vrai que petit à petit, ça manque tout ça. Et un sauté de poulet. Allez, on est avec des gros fous. Suivi d'un troisième plat, parce qu'on n'a aucune limite. On est un gros, gros malade. Pour le matin, on va faire une petite. Qu'est-ce qu'il y a déjà pour le matin? Oh, biscuit effrayant. Toast avec œuf, ça peut être bien pour le matin, mais il y a des trucs un peu mieux, il me semble. Du genre. Oh, des spaghettis, des gâteaux zombies. Fish and chip, non, brouillade du petit déjeuner. Parfait pour le petit déj, ça. Tu nous fais ça, ça sera très très bien. Et comme ça, t'as fini de dormir, allez, stop. Arrête de dormir, feignasse. Viens donc ici, tu vas lui enseigner. Enseigner, parfait, comme ça, elle va monter plus vite. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que c'est 11h du mat, on est dimanche, écoutez, tout se passe plutôt bien. On va essayer de lui faire faire ce qu'il faut. Elle ne travaille pas aujourd'hui. Je contrôle quand même, non, j'avais vu ça tout à l'heure. 3 jours de congé, c'est vrai. Écoutez, on va profiter pour faire un peu de réserve, tout ce qu'il faut, histoire que notre petite famille se porte au mieux. Parce que par rapport au jardin, il faut vraiment que je fasse des mélanges. Je pense, peut-être pas le prochain épisode, je pense le prochain épisode, ce qu'on fera, c'est la zone détente ici. Mais enfin, si on a assez d'argent, il faut voir par rapport au fric qu'on a. Bon, 11 000 simflous, c'est quand même pas mal. Et je pense qu'ensuite, ce qu'on essaiera de faire, c'est faire des fusions. Je sais plus comment on appelle ça. En fait, prendre, comment ça s'appelle? Attends, on va chercher. Entretenir, tout récolter, les boutures, voilà. Prendre des boutures et faire des mélanges pour avoir des plantes. Je vais voir sur internet exactement les plantes qu'il faut mélanger ensemble. Et comme ça, on pourra vraiment essayer de créer des nouvelles plantes qui sont vachement intéressantes. Il y en a qui valent assez cher, donc ça pourrait être intéressant pour essayer de faire un petit peu d'argent. Je pense qu'on testera ça très bientôt, vu qu'elles sont presque les deux au niveau 10. Donc il y a vraiment moyen de faire des super bonnes plantes et plutôt rapidement. Donc on testera ça, les amis. Bon, le problème, c'est que la bouffe, c'est super long. Bon, par contre, elle gère. Ça, il faut reconnaître qu'elle gère largement très bien. Enfin, par contre, ça prend du temps. Alors, Nathalie vient de devenir une bonne amie de Belle. Bah parfait, elle commence à être bonne amie ensemble. Elle est très mal à l'aise parce qu'elle a très très faim, la pauvre. Ça te dit de faire ton plat. Tu savais que t'auras fait à manger, tu pourras éventuellement le manger. Soyons fous. Voilà, parfait. Tu le poses ici, tu veux le manger ou pas? Ah non, elle laisse toute la bouffe comme ça. Écoute, vas-y, pose l'œuf. Ah du coup, t'as bien avancé quand même. T'as quand même fait pas mal de trucs intéressants. Du coup, si on ouvre le frigo, on va y avoir ça. Enfin, on a deux poulets plus ça, non c'est bien. Enfin, c'est franchement bien. Eh vas-y, on étoile un peu la table. Oh yes, la viande comme elle éclate et tout. Franchement, les animations pour la bouffe, je trouve absolument génial. C'est très très bien foutu. Quand t'as un Sims qui gère vraiment bien à ce niveau-là, c'est juste magnifique. Et ce que je pense qu'on pourrait faire avant de finir la journée, serait de faire un peu changer les habits. Je pense que je vais la laisser finir ça, finir la bouffe, et puis après on ira changer 2-3 petits habits. Ils vont réclamer ça souvent, on va pouvoir le faire. Ah yes, niveau 8 de la faculté mentale, parfait. Par contre, elle a faim ou qu'est-ce qu'elle a? Je pense qu'elle a faim, la pauvre.
Non, ça va, non, elle est bien, fin. Elle va très très bien, fin. Écoute, profites-en. Ah, mais c'est toujours pas nettoyé, t'es sérieux, fin. Est-ce qu'on peut dire du. Non, on peut pas nettoyer, fin. Oh, le bordel, faut vraiment que la femme de ménage vienne. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Parce que limite, je l'appellerai pas. Parce que franchement, c'est juste pas possible. Acheter un service. Juste pour qu'elle vienne une fois. Ça pourrait être intéressant. Il faut qu'elle aille aux toilettes, donc fais vite. Ah, suite, mais c'est cassé. Oh là là, c'est le bordel. Remplacer 600, non, c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Domestique ponctuel. Ah non, je peux pas la prendre parce que j'ai déjà la domestique régulière. Je vais vraiment attendre qu'elle vienne. Bon, bah tant pis. Il n'y a pas trop le choix. Fin. Donc, ce qu'on va faire, c'est bien réparer ça. Fin. Réparation. Fin. Après, t'es sûr un peu tout ce bordel. Et on va s'en sortir, les amis. Pendant ce temps-là, Jasmine mange ses plats. Fin. Autant, il n'y en a pas sans plaindre. Elle a bien avancé. Il lui reste encore un à faire, théoriquement. Brouillard du petit déjeuner. Ouais, c'est important. Ça, on va le garder. Fin. Ah, c'est excellent. La petite citrouille, elle est sympa. Faut qu'on en fasse d'autres. Parce que ça passe plutôt bien en déco. Fin. Alors, deux pièces d'amélioration commune. Donc, elle a fini de réparer ça. Ouais, parfait. Je te félicite, comme ça tu vas pouvoir venir ici directement. Fin. Utiliser, prendre une douche, parfait. Fin. Jasmine, tu t'en sors ou pas fin. Ah, il est en train de cuire. Parfait, il est en train de cuire ses petits œufs. Oh, regardez-moi ça. Yes. Ça a l'air bon. Ça donne envie en tout cas. Et dès que tu auras fini, si tu pourrais nettoyer un peu les toilettes, parce que là c'est vraiment du grand n'importe quoi. Amélioration, non, par contre nettoyer, parce que là franchement c'est une vraie horreur. Yes, parfait, elle a fini. On met les omelettes au frigo, comme ça on a vraiment fait le plein de bouffe, je suis plutôt content. On a bien avancé, les amis. Prendre une portion. Ouais, effectivement, faut que tu manges, ma pauvre. Tu n'es pas très bien. Fin. Qu'est-ce qui est le plus vieux fin. On va prendre n'importe quoi, ils sont tous à la même date. C'est du tout neuf, tout ça. Divertissement, c'est catastrophique. Tu feras du zapping, et après on changera un peu nos habits. Voilà, parfait, elle a fini de nettoyer. Du coup, ce que tu vas faire, c'est aller changer nos habits, changer de tenue. On prévoit des tenues, parfait. Alors pour le sommeil, tu pourrais nous mettre une petite chemise comme ça. Oh, c'est vachement sympa. C'est mignon tout plein. Ouais, plutôt en rose. En rose, ça rend bien. Okay, peut-être la peau un peu foncée pour du rose. Qu'est-ce qui va le mieux? Comme ça, c'est pas mal. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors, on va juste changer les bases. Là, ça m'a l'air relativement bien. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'on devrait changer? Non, ça me paraît bien pour elle. Alors, elle, elle a plusieurs tenues. Effectivement, elle choisit toujours la même. Même si ça me dérange de supprimer celle-ci, je l'aimais tellement. C'était tellement une tenue traditionnelle. On va lui laisser pour le moment. On lui laissera, on changera par la suite si jamais. Ah, par contre, la tenue de mariage, ça on va peut-être éviter. C'est une tenue de mariage ou c'est juste une tenue classe? Ah non, peut-être une tenue classe. C'est un peu les deux, on va dire. Pour courir, pour dormir. Classe, non, c'est bien. Ce que je vais absolument faire, par contre, c'est la petite. Effectivement, il faut la transformer en princesse. Alors, tenue de princesse, à mon avis, c'est celle-ci. Oh, on va lui mettre ça comme tenue normale. La tenue pour tous les jours. Attends, t'es une princesse ou tu l'es pas? Et elle, c'est une princesse. Qu'est-ce qui lui irait mieux comme couleur? Le vert, ça lui va pas si mal. Allez, vas-y, en rose, totalement abusé. On va lui mettre le chapeau, la couronne de princesse. Apparemment, il y aurait ça. Fin. On m'avait dit qu'il y avait la couronne de princesse, mais là, je la vois pas. Elle n'y est pas, malheureusement. Fin. Ah, c'est dans les coupes de cheveux. Fin. Excellent! Si c'est pas la classe, la couronne de princesse. Un truc totalement what the fuck. Au niveau des chaussures, on va changer également ça. Bah écoutez, t'es une princesse ou tu l'es pas? Et en l'occurrence, c'est une princesse! Yes! Des boucles d'oreilles par contre. Est-ce qu'on garde les lunettes ou pas? Peut-être plus princesse sans les lunettes. Des lunettes un peu plus discrètes éventuellement. Enfin. Ah, celles-ci, elles sont sympas. Elles sont enfantines, ça me paraît bien. On a dit les boucles d'oreilles qui changent tout, le petit détail qui tue. Tac, les petites formes de cœur. Oh, c'est mignon tout plein! C'est mignon, les amis. En version rose, pour que ça corresponde avec la robe. Est-ce qu'on ne mettrait pas un collier au passage? Non, ça fera trop haut. On peut pas le mettre. À cause de la robe, c'est pas compatible. Est-ce qu'il faudrait autre chose? Écoutez, ça a l'air relativement bien, tout ça. Enfin, je pense qu'on va laisser comme ça à maquillage. Est-ce qu'on peut lui mettre quelque chose, peut-être? Non, c'est que des déguisements. Ça ne sert à rien. Enfin, bah, parfait. Depuis le temps, vous vouliez souvent, que vous... enfin, dans les commentaires, souvent, vous me réclamiez qu'elle soit transformée en princesse. Bah, écoutez, là, c'est une vraie princesse. C'est un petit peu du what the fuck, sa tenue principale, mais c'est ce qu'on aime, donc on confirme, c'est parfait. Du coup, on va directement aller voir sa super tenue de princesse, totalement what the fuck, j'adore. C'est du grand n'importe quoi, regardez-moi ça, la tenue de princesse, la vraie, les amis. Bon, à part ça, du coup, c'est dimanche 4h, elle est relativement bien à ce niveau-là, toi pareil. Mais écoutez, on a fait pas tout ce qu'il fallait, fin. C'est plutôt bien tout ça, j'aime. On va pouvoir se laisser comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire un truc de princesse avant de se laisser? Que fait une princesse? J'aurais bien voulu aller danser un petit peu, mais on n'a pas de musique par ici. Bah, une princesse, limite, elle peut prendre un bain, fin.
Entrée, voilà, parfait. Un truc qui a strictement rien à voir. Et tout le monde, on entre dans le bain, c'est parfait. On va s'amuser comme ça en famille pour finir en beauté. Alors déjà, Jasmine arrive, on attend les autres. Elles vont pas tarder en principe. Yes! En plus, elle garde sa couronne, génial! Trop bon, c'est juste excellent. C'est du grand n'importe quoi, les amis. Et c'est ça qu'on aime. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait, Belle? Tu comptes venir ou pas? Ah, c'est bon, elle arrive. Elle est en train de venir, petit à petit. Ne bouge pas, surtout. Elle parle, bah voilà! La famille au complet dans le jacuzzi. Si c'est pas la classe, quand même, c'est juste merveilleux tout ça. Fin. Du coup, les amis, on va se laisser là. Pensez, c'est un petit pouce bleu et on se retrouve tout bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao!